à terme, le tu-laisse, il sera hyper utile dans ce genre de situation. C'est en gros, laisse le chien et laisse ton émotion d'agression. Et en fait, il est super confiant. Tu vois que sa queue, elle est portée assez basse. Donc là, appelle-le. Très bien. Et en fait, ton haut-pied, c'est vraiment ta porte de sortie pour le faire quitter l'émotion qu'il ressent. Ok ? Là, arrête de le toucher, redresse-toi. En fait, tu veux voir si après récompense, est-ce qu'il y a apaisement ? Est-ce que ton chien, il change un peu de message ? Là, voilà, c'est ça. Donc, tu vois là, le chien, déjà de 1, donc tu vois que son émotion, elle s'est un peu regonflée. Et tu vois que le Shiba, il est hyper poli. Voilà, il va lui mettre des petites pressions. Tu le laisses faire pour l'instant ? Et en fait, en gros, il va justement un peu appuyer là où ça fait mal en disant mais attends, mais c'est pas une attitude qui est ok pour un tout petit chien. Là, il se met vraiment de côté. Tu arrives à voir que sa tête, elle est de côté, il le re-regarde, il lui tourne autour. Et ça, c'est une super attitude qui va permettre à Rizoul petit à petit avec les bons congénères de changer de mécanique. Allez, tu veux faire un petit ok ? Rizoul ! Ok ! Rizoul ! Rizoul, au pied. Oui, toi aussi, ouais. Hey, Rizoul, au pied. Très bien. Et là, tu vas augmenter la distance entre toi et les chiens. Significativement, tu te redresses, tu recules. Et en fait, tu vas toujours lui expliquer que si tu es mal à l'aise, il peut partir. C'est très bien, Rizoul. Voilà, là, tu vois qu'il se laisse inspecter un peu plus. Très bien. En fait, là où l'autre congénère il est hyper intéressant, c'est que du coup il s'en va, il lui laisse des petits temps de pause, mais il revient, il refait son job et il est hyper précis dans ce qu'il fait doucement. Rappel. Rizoul, au pied, Rizoul. Et dans l'idée. Rizoul, au pied. Très bien, super. Alors là, laisse-le s'il est. En fait, il y a beaucoup de précision là-dessus, mais là où je t'ai dit laisse-le, c'est qu'il était tenté de retourner le voir, tu vois, sur une autre émotion. Donc. Le hockey sert vraiment à l'extraire si tu sens qu'il perd le contrôle sur son émotion. Okay, là, il est calme, tu peux quand même lui faire faire un petit hockey. Rizoul, hockey. Alors, Rizoul, okay. Très très bien ça, super. C'est bien. Et en gros, sur hockey, tu feras du clic récompense. Ouais. Ok. Et essayer de clic récompense en amont de l'agression. Voilà, et en fait ton clic il sera là pour valider ce qu'il a fait. Et en fait là où le Shiba il est chouette, c'est que il lui répond pas sur de l'agression, tu vois. Il met de l'air, il s'en va, il dit ok bah tu fais le relou, je me barre. Et du coup Rizoul là il aurait envie de retourner au contact. Ouais. Et du coup ça lui permet aussi de perdre le congénère pour qu'il comprenne que l'agression c'est fuir le congénère en place. Et là il y a énormément de choses à voir et à voir. Ah, super, appel au jeu. Tu vois. Et du coup, c'est plus ça qu'il fait. Voilà, mais sauf que du coup, il est un peu entre deux encore. Il appelle au jeu, mais ronchon. Et je pense qu'il y a eu un petit. Enfin, il y a eu un manque avec la mère, à mon avis. Il est bien, votre Shiba. Hein. Oui, coucou. Un bon instructeur. Je filme. Un petit au pied pour Rizoul là. Rizoul ? Et une fois que tu as donné ta commande, tu vas encourager. Allez, pop. Très bien. Super ça. Et en gros, tout ce qui sera validation de, ce sera clic, récompense. Ok. Au lieu du si bien récompense. Ouais. Bah, ça ne veut pas dire que c'est plus faisable, mais nous, on va le bosser au clicker. Donc du coup, c'est plutôt le clicker qui va parler au lieu de la voix. Et là où justement l'interaction il est ok, c'est qu'il s'ajuste à chaque fois. Tu vois. Et il y a c'est le chien qui le fait avec le chien. C'est que pour l'instant, vu que je suis en prise d'info,
je le laisse faire, je le laisse un peu râler parce que je me concentre surtout sur l'autre, sur qu'est-ce qui lui répond, tu vois, plutôt que tout de suite s'en mêler et de dire non, on fait pas, machin, bidule. Parce qu'il lui donne l'exemple en fait, ouais. Tu vois. Si l'autre il l'agressait ou qu'il répondait à ses agressions, là, du coup, c'est un message qu'il recevrait. Gardez du contrôle, vous pouvez laisser traîner la laisse au sol pour la récupérer s'il y a besoin. Ouais, mais elle a lâché la laisse. En tout cas, la chienne, libérez-la, il n'y a pas de souci. Et s'il y a, quoi que ce soit, nous, on partira. Ouais, mais elle fait pas. Alors, elle l'excite. Elle n'est pas agressive. Chat de 1, mais surtout qu'elle s'excite si elle touche. Tu vois qu'à aucun moment elle le touche. Doucement. Alors si la nourriture il la prend pas, laisse la côté de toi. Ouais, les caresses. Aya, Aya, c'est où ce moment? Appelle-le. Aya. Ok. Bisous, ok. Alors moi ce sera par contre à partir d'avril parce que pour l'instant je peux pas.